Allo, allo, Ré, ah, il va drop. Ah, allo, 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 allo. Faut le CC, faut le CC. Ah, ah, il y a un HP, c'est bon, il y a récup, il y a récup. Oh, il y a son pote, bon. Pas grave, hein, on peut back, c'est OP. Hein. Ah, bah, t'as pas cette perle. Wesh les mecs, c'est KitKat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nexion. Bon les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'attaque de base. En fait, on va attaquer la Jaguar comme vous avez vu dans la miniature. Donc on voit quelques 2-3 petits P4 jamais, ça va être quand même assez cool. Puis aussi, il y aura sûrement des records à l'event ou en Warzone, je sais pas trop où. Bref, c'est une petite vidéo un petit peu mêle tout. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y aura une petite présentation de Vanadia juste après cette petite intro là. Elle va être quand même assez rapide, de sûrement 2-3 minutes. Mais du coup, bah écoutez là si vous êtes intéressé, il y a Vanadia, moi perso je vais y aller avec ma fac. Donc il ouvre ce samedi à 16h. J'avais déjà fait un LP dans version, j'ai un des serveurs que j'adore tout autant de Nexion. Du coup Nexion, bah, vu qu'il fait un petit peu moins de coups, et puis bah, je sais que Vanadia va en faire beaucoup, et puis j'aime les serveurs, bref, je vais y aller avec ma fac. Sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part le petit concours, donc bim, GG à toi mec, tu gagnes ce que je vais gagner, c'était un grade, bah, voilà, un grade que je vais gagner, donc GG à toi, si tu veux, bah, contacte-moi sur Discord ou en commentaire, et puis je te donnerai ton lot. Sinon, pour le nouveau grade, nouveau concours, je dis comme d'hab, un nouveau grade, donc pour participer, très simple, faut liker, s'abonner, et puis commenter vos pseudos in-game, et puis bah, justement, le concours se fera dans le prochain record. Sur ce, moi, je vous laisse, c'était KitKat, et puis bah ciao ciao les jeunes. Re les mecs, du coup on se retrouve pour la petite présentation de Vanadia. Bon, premièrement les mecs, toutes les infos sont en desk, donc site, Discord, Twitter, tout ça, c'est en desk. Donc bref les gars, vous connaissez déjà probablement Vanadia, donc j'ai fait un gros LP dans la version, j'avais pas le travers de le savoir avec ma fac, etc. Mais bon, de toute façon, ça, j'ai sûrement déjà tout dit ça dans l'intro. Sinon, puisque j'ai pas énormément de temps pour vous présenter ça, je vais vous montrer vraiment les nouveautés fortes de la nouvelle version. Donc tous les anciennes, tous les, si vous avez jamais joué en fait sur le serveur, donc vous connaissez pas le serveur, je vous laisse avec une autre présentation en haut à droite, donc vous cliquez là-dessus, et ça va présenter le serveur de A à Z, donc l'ancienne version. Et puis ensuite, ben voilà, ici je vais seulement présenter les nouveautés, ben, les vraies nouveautés de cette nouvelle version. Quoi. Ah aussi, comme à chaque fois, petit concours, donc toutes les infos sont à l'écran, parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous faire gagner et comment, si c'est un concours Discord, Twitter, ben pas Discord, je veux dire Twitter, ou sur ma chaîne. Bref, toutes les infos, comment participer et qu'est-ce qu'il y a à win sont sur l'écran, donc ben good luck à vous hein, les jeunes. Ensuite, comme j'ai dit, je vais essayer de passer très rapidement, donc je vais montrer vite fait les anciennes nouveautés, donc ici, les machines comme avant, donc il y a 4 types de machines qui fonctionnent avec du pétrole. Ensuite, comme avant, les classes ont une place très importante sur ça, il y a même des nouvelles classes, donc vous aurez votre inventaire, en bas droit de classe, acheter une classe, donc moi j'ai déjà arché, que j'ai pris au hasard au début, mais du coup, t'en as un paquet classe super cool à farmer, donc je vous laisserai tous découvrir ça par vous-même, mais si j'en prends une au hasard, par exemple, vous voulez la lire, ben en gros, il y a toutes les informations indiquées quand vous regardez. En gros, rapidement, vous avez à chaque fois un kit que vous pouvez level up, du coup, et puis vous pouvez obtenir du P4 quand vous êtes vraiment haut level, vous pouvez différents moyens pour augmenter vos classes, bref, c'est super, un atout quand même assez cool à farmer, parce qu'on a tout le temps des trucs à faire, quoi. Et puis ici, ça, c'est tous les items de classe, en fait, qu'on peut crafter à partir d'un certain level. Ensuite, ici, nouveau bloc de déco, ensuite, ici, l'enfer, il y a des petites nouveautés par rapport à l'enfer, je vais vous montrer juste après. Les liasses de billets, comme avant, aussi les pièces illégales, mais juste pour les c'est différent, mais maintenant on plante plus directement les liasses, on doit crafter une graine, et la graine à billets se crafte justement avec 8 liasses, donc c'est beaucoup plus difficile en fait pour ben justement crafter des graines et crafter avoir des liasses quoi. Ensuite pareil pour les éléments, donc c'est plus difficile à avoir, maintenant on obtient des graines, ensuite on craft des fragments, et puis ensuite on a l'élément, parce qu'avant c'est un petit peu trop facile à avoir, et puis sinon ben, il y a l'Excalibur et l'Excalibur dans l'enfer comme avant. Ici, des trucs basiques en opti, échelle, en minerai, etc. Ici, c'est un, deux, trois nouveaux items. Donc ça, c'est des items qu'on va obtenir dans le nouvel event, le Castle. Ici, le visualisateur de durabilité, donc permet de voir la dura sur les gens. Sinon, comme d'hab, il y a le set d'attirance comme avant. Et puis, sinon, ici, tous les items qu'on peut avoir en tuant des boss ou des mobs dans la nouvelle dimension. Donc, les boss ont été vraiment revus de A à Z. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, juste après. Donc, les 4 boss élémentaires ont été revus. Donc, c'est quand même assez stylé, je trouve. Il y a un dragon, il y a des gros boss comme ça qui ont plus de PV. Après, j'y trouve vraiment... Merde, il y a ma tech déjà, je vais mourir, les gars. Fuck. Bon, espérons qu'il m'attaque pas trop, et puis aussi un nouveau item, en fait un nouveau mob, pour faire les pièges, c'est le boule, le taureau. Quand vous le posez, en fait, il fonce sur les murs, et puis il casse l'obsidienne, donc là, il est un petit peu buggé, il fonctionne pas tout le temps, mais en gros, il casse un mur d'obsidienne, comme juste ici, et puis en gros, ben, cet item-là va être très difficile à avoir, mais va être très utile pour les pillages. Ensuite, il y a un nouvel event sur le serveur, le Castle. Donc, en gros, il y a 3 cœurs comme ça en Warzone. Quand vous les tuez et quand vous les pétez, en fait, avec votre faction, vous les contrôlez. Donc, pendant 30 minutes, il n'y a aucune autre fac qui peuvent vous les voler. Il y a un paquet de fragments de cristal et d'icristal qui drop, en fait. Tout ça se vend au sash shop. Donc, ça vaut quand même pas mal de monnaie. Et puis, quand vous contrôlez ces zones-là, en plus, ça donne un petit peu de points classement. Donc, en gros, le but, c'est de contrôler ces zones-là en Warzone et qui sont constamment actives, en fait, sur un event qui est tout le temps là. Et puis, du coup, bah, c'est toujours le fun pour avoir un petit peu plus de PVP sur le serveur. Sinon, par rapport aux events comme avant, il y a un paquet d'events, il y en a H24 quoi, donc juste ici quand vous ouvrez l'inventaire, c'est juste là.
Ensuite, petite nouveauté avec l'enfer, donc apparemment c'est comme avant, t'as une zone avec les temples et tout ça pour les boss, donc vous avez fighté dans l'enfer, c'est une nouvelle dimension. Mais il y a aussi l'enfer, c'est un monde ouvert en fait. Donc il y a la zone ici qui fait je pense du 1000x1000 peut-être, j'ai aucune idée, comme avant. Et puis ensuite, si vous faites le random TP, vous avez carrément une nouvelle zone qui est ici, vous pouvez build, vous pouvez casser des blocs, vous pouvez tout faire en fait. Et puis ici aussi, les mobs spawn, donc c'est pour les petites factions qui peuvent venir farmer tranquillement les nouveaux mobs, comme ça vous avez pas besoin de vous faire embêter par les grosses factions justement qui viennent vous faire chier. Sans qu'on vous ait remarqué, il y a pas énormément de nouveautés sur cette version là, mais le staff a promis de faire énormément de... À chaque semaine, ils vont faire des nouveautés, en tout cas pour le premier mois. Et puis ensuite, à chaque semaine, en fait, il y aura des mises à jour. Donc des grosses matchs avec un paquet de nouveautés. Ils m'ont déjà parlé des prochains trucs qui vont arriver sur le serveur. Ils sont quand même assez cool, mais ils sont pas arrivés pour l'ouverture, puis ils ont eu 2-3 petits soucis. Mais bref, ça, c'est pas un problème. Ah oui, aussi, j'oubliais, il y a un classement faction, en fait, comme dans la version. Mais ce coup-là, il y a un cash prize, donc 400€ pour la première fac, 200€ pour la deuxième, et puis 100€ pour la troisième. Donc moi, c'est ça, je vais t'arrêter avec ma fac. Et puis, bah, du coup, si vous voulez venir, bah, bonne chance à vous. Bref, j'espère que vous êtes chaud pour venir jouer sur le serve. Donc, justement, toutes les infos, encore une fois, sont en desk. Moi, je vous laisse avec la petite, le petit record. Et puis, sinon, comme j'ai dit au début, si vous voulez une présentation complète du serveur, allez voir la petite vidéo qui s'est affichée en haut à droite tout à l'heure. Donc, moi, je vous laisse, c'était KitKat. Et puis, ciao, ciao, les jeunes. En fait, je suis machine à pote. Machine à pote, c'est tout en bas, ça? Ouais, c'est bon, ouais, je te vois. Oh, mais il faut le gros, il faut l'iris. Ouais, mais quand même. Allo. Allo, Ray. Ah, il va drop. Ah, allo, 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 allo. Faut le cesser, faut le cesser. Attends, j'ai plus force, j'ai plus force. Ah. Sérieux? Je suis là, moi, je vais être dans l'escalier. Oh, je suis sur lui. Moi, je partais dans les escaliers. J'avais la flemme par les deux. Il est dans ses melons. C'est bon, je la vois. Tu l'as pas drop? Non, il est monté en haut. Oh, il est dans un melon, je le tape dans son melon. Quoi? Mais oui, il y a encore les graines. C'est qui, tu me genre? J'ai encore les graines. C'est bon, il est mort, 2 HP. Mais il était à 2, il était à 0. Bah, tue-le. Je tape au travers, d'un melon, c'est... Attends, j'arrive. Je peux pas le taper, il y a genre des particules, mais ça le tape pas tout le temps. What the fuck, pas peur. Attends, il est là, Il est là, j'ai vu. Mais je peux pas rentrer. Ah, il va peut-être nous enfermer. On peut pas. C'est bon, je vais perdre dessus. Ah, mais dégâts. Moi, je peux pas, Will. Fait que s'il vient des escaliers, bon, je te l'envoie, voilà. Je te l'ai envoyé, j'ai tapé. Ah non, il était tout en bas, folle. Il y a sûrement une backsafe, s'ils sont intelligents. Je suis merde. Ouais, dans le backsafe, dans le coin. Putain, gros. Oh, nul. Nul, c'est nul. On peut carrément rentrer avec lui. T'es sûr? Bah, tu veux aller le visiter ou pas? Ouais, mais je sais pas comment tu peux faire. Le bateau, en fait. Bah, à côté, il y a de l'opsi, à côté, c'est l'opsi, on pourrait crash con si tu peux, mais. Mais ça, je prends mon super pouvoir là pour le faire tuer. J'ai pas de briquet, t'as-tu un briquet? Non. Putain, j'aurais pu le poser là-dedans pour le tuer. Cool, rack. Je vais faire le flashback, voir s'il est toujours là. Bah, bon, tu retournes. Bah, oui. Ok. Il me dit stop back. C'est lui qui a back. Oh, il est revenu. Ah merde. Attends, je vais chercher des effets, j'arrive. Attends, faut que tu me TP en fait. Tu veux dire rack ou pas? Puis il a Jaguar. Oui, oui, faut que tu me TP. Ah merde. Attends. C'est vrai qu'il casse? Ouais. Okay. C'est lui qui va drop. Oh. Mais dépêche-toi. Bon, parce que là, en fait, il y a un run de back ou Ray. Mais vraiment, il y avait 2 HP. Il est nul. Tu prends toujours du diamant, rack? Home Jaguar. Mais va drop vraiment? Il faut les résumer? Oh, t'es bien, ah bon, je me suis... Mais putain, mais t'es relou! Quand tu suis fort, tu peux pas cancel ton TP, genre. Il y a des buffs. J'ai rien. Je suis dans les melons. Pas pourquoi d'ailleurs. Mais horreur sorti. Fait que. Ah, ils sont plusieurs? Ouais, ils sont deux, ils sont, passés à... ils sont venus à deux. Attends, j'ai rien. Salut Tom. Moi, c'est il faut le panique depuis tantôt. Ok, à moins 15% aussi. Vous aurez posé de shot aussi. Y'a crash? Non, c'est juste y'avait FK. Je reprends mes effets. Good. 6, 5, 1. C'est bon, drop. Sinon, j'ai tout rigueux, le P4, tout le rigueux presque. J'ai l'épée. C'est bon. C'était quoi? C'est Iris quoi? Faut lire lui, non, l'autre, le Jamie, il est encore sur lui. Mais il va drop lui aussi, 8. Faut le cesser, il saute à côté, il va à côté. Attention, il va perdre. Oh non. C'est ses claims ou pas? Ouais, c'est ses claims, c'est Ori. Ah oui, mais est-ce que cet homme il est dans leur fac? Je sais pas. Reste devant la porte, Will, moi je fais le tour comme ouais, ça. Que je fais. Fait quelqu'un peut faire F-show Tom ou toi, Will, fais-le. Ouais, il est dans leur fac. Bah, t'es, bah, moi je continue de faire le tour, il va sûrement y attendre qu'ils reviennent en fait. Ouais, Tom 0703, ouais. Ouais, ouais. Dans Will, reste à la porte, Will, reste à la porte, moi je. Ouais, attention. Il y a Urey, Aquasi, You Dropped, Captain. Bon, j'aurais largement pas assez de toi quand même, hein. Il est le moins 15. Il y a ouais, encore est revenu, ouais, c'est moi je l'ai retué. Pour aller sur plus power pour tout, ouais. Non, 140 power sur 85 là. Attention, oui, il y a pas de vie à EC. Je sais pas s'il y avait exprès. Ah, merde.
Il y a Aura qui monte vers le haut. Peut-être lui faire j'ai un attaque. Debuff, je l'ai headshot en 30 secondes. Ok. Fais gaffe, il y a Aura en haut, je pense qu'il va ouais, mais en fait, il a déposé son épée, lui, je sais pas ce qu'il fait, il arrête pas d'ouvrir le C. Ouais. Il y a des pères, il y a bien attention. Mais... Merde. Aval, t'es là ou pas? Non. C'est bon. Bah, du coup, il a pas agité à côté, il est trop con. Ouais, tu le lèves de la merde. Il y a un HP, c'est bon, il y a récup, il y a récup. J'ai casqué. Non, j'ai pantalon, j'ai bot là, c'est bon, je vais essayer d'aller trouver Ori, il y a encore là. T'as eu l'épée ou pas? Je sais pas, regarde. Moi je vais aller kill Ori, c'est plus important. Ouais, j'ai eu l'épée, je l'ai eu. Ouais, t'as eu. Allo, Ori. Nice. Bye, Ori. Oh, y'a t'es plein d'autres gars, il était plein d'autres gars. Viens dans Will. Ah merde. Ouais. Toi, je vais prendre Pomchi tout de suite pour avoir résistance. Non, je sais pas en fait. Oh fuck, j'ai pas mes effets minutes par contre. Il vient de se full pot, j'ai pas mes effets en fait. J'ai pas pris mes 8 minutes. J'ai juste une speed. T'as pas une force? Okay. Ah oui, c'est bon, j'ai pris. Il crache. Je prends mes effets. Ok. Par contre, ça va, si je drop avec le stuff que j'ai récupéré, ça va me chercher. Bah, je peux le mettre le stuff, non? Bien sûr. Ouais, je le mets. Je sais pas si c'était une pomme cheat ou une pomme que je viens de prendre. Bah, je sais pas s'il y avait déjà pomme cheat avant. Je crois qu'il y a déjà pomme cheat. Essaye de pas heal cette cité, ouais, voilà, c'était une pomme cheat, c'est sûr. Mais toi, spongy, on s'en aura. Non, mais je vais aller au kebab. Je vais commander. Non. Quelqu'un peut faire F-show? Attends, Acnid est dans leur fac, je suis presque sûr. Ouais, dans leur fac, c'est quasi. C'est bon, ici, là. J'ai plus de régène. Oh, y'a son pote, bon. Pas grave, hein, on peut back, c'est au pire. Oh, bah, t'as pas cette perle. Cool, 256, hein. Ouais, moi je back, hein, j'ai 2 stacks de perles. J'suis pressé. Puis je vais m'en lécher avec Rashko, s'il faut. Bah, tu veux qu'on reste pour l'instant ou qu'on back tout de suite? Bah, j'ai vraiment un back, moi, parce que le truc, c'est que je. Je sais pas. Bah, il me faut l'info tout de suite, là. Back. Quoi? Go back. Good. Ah, bah, c'est bon, tu spam bird, t'es dans les blocs! Ah bon? Tu peux back toi tout seul en haut ou pas? Je pense que ouais. Si moi je me planque dans leur base, c'est bon? Ouais. Y'a pas de clé, c'est dans la synopsie, y'a pas de clé. Ah bon? Ouais, c'est bon, je suis dans la synopsie, y'a pas de clé. Bah, je m'en vais pas de clé, en tout cas, il me tape pas là. J'ai juste très peur parce que genre j'ai pas beaucoup d'heal, fait que s'il faut que je spam perle, j'ai peur de mourir, mais c'est pas si grave, mais... C'est bon, là dans 2 secondes je suis en combat, fait qu'à moins qu'il vienne vite, slash home BP. Et j'ai bien back, j'ai back, Ez. Bon ben j'ai eu le... Parfait. Pastoche. Super. FCP, j'ai jamais un.